Salut tout le monde. Vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable, qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a enseigné. Mes frères et sœurs en Christ, quand vous êtes nés de nouveau avec l'Esprit de Dieu, Jésus vous a oint et vous a donné l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit pour vous guider à toute la vérité. Il vous dira les choses à venir. Alors vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu. Pourquoi vous voulez être enseigné par l'homme? Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. La seule chose est nécessaire de s'asseoir à côté de ses saints pieds. Et l'onction que vous avez reçue de lui va vous enseigner et vous montrer ce qui est vrai ou faux. Soyez zélés et repentez-vous de chercher à être enseigné par l'homme, mais soyez conduits par l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu vous enseignera tout. Vous n'avez besoin de personne. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.